Right away. So, technically, now um, if I do this, that's my actual stream. Okay. I want to keep this window up to tell me if I am going to blow up. I want my chat to be pop out, to pop out give me that give me that where did my chat go here where is it oh twit it's under my that's why uh, bonjour annick est ce que tu me vois Est-ce que vous me voyez? Comment avez-vous trouvé ma chaîne? Est-ce que vous avez branché sur No YouTube. When you go to my when you go to my uh Sorry, I don't know that, but I do have a scene of It's called the schedule. Hold on, yeah, you got it, yeah, because it's gonna <laughs> try. Sorry. It's okay. Um let me see here. Uh typically J'essaie de trouver. C'est quoi le lien que vous utilisez Est-ce que vous vous branchez sur mon, euh, dans mon YouTube à moi Puis là, vous me trouvez là-dedans ou um, your channels. If I go to my channels, oh, that's it. Okay, so um, I should have. When you go to my, right now, it's, it tells, it's telling you right now exactly that I'm live now. on my, go see my um, my YouTube. So go to youtube.com slash capital A, capital J, capital G, E-N-T-I-L-E, -E, lowercase. And you'll see that there'll be a uh, live now to tell you that I'm live. You just click on in, that. In, in, I search just in YouTube? Go to youtube.com slash AJ Gentile. Hold on, hold on. Actually, I'm just... Je vais juste, je vais mettre mon, mon micro ici sur mute. Yeah. good uh, afternoon, everybody. Um, i just wanted to make sure that uh, my youtube was actually presenting the right uh, that was notifying you guys uh, that uh, my channel was started because i don't see your end of the, of the screen. i only see my end of the screen, which is broadcasting. i will try to pay more attention. To my broadcast so that the problems that we had yesterday don't come back again today. Uh, in the process, I've also uh, <laughs> done all my import way well way before. Um, I, played a, it, I played it, very very close to the teeth today. J'ai uh, quand même fait toute l'importation que j'avais besoin de faire sur mon Lightroom en tant que tel. Espérons que je pense que la la grosse problème hier c'était vraiment le fait que je transférais mes vidéos que j'avais pris. Um, euh, puis c'était genre 72 gigaoctets pendant que je faisais justement le, le, le euh, voyons euh, euh, pendant que je faisais la, la diffusion euh, live, et puis en même temps pendant que je faisais le transfert, mon Lightroom ici faisait son importation en même temps, fait que c'est juste que tu sais, il y avait trop de ressources euh, en travers de tous les autres applications que je voulais. Pas assez de ressources pour le pour la diffusion du vidéo. Um, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire un petit. Comme, 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 comme que j'y avais dit euh, à la fin de l'émission hier, à, à, vu que j'avais tellement de problèmes avec la le, le diffusion, euh, je vais faire une petite capsulation de qu ce que j'avais parlé de hier. C'est justement à dire que. Oh, c'est ça. Ok, donne-moi deux petites secondes. J'ai oublié. Il fallait que je rouvre un. Euh, je te ramène. Euh, où ce que c'est rendu? Vite. Voyons. T'es où? Euh, je lui. Et puis, on a quelques. Je pense que j'ai quand même quelques petites. Euh, quick. Non, je veux voir. Est-ce qu'il va aller chercher? Recent files, C'est ça que je veux. Euh, le le 21-27, c'est celui-là que je veux. Justement, je vais placer ça de suite dans l'autre écran. Oups. OK, ça, ça ici. Euh, je vais faire une pause ici. Euh, so, euh, on va attendre, on va donner quelques petites minutes. Avez-vous des questions à date à propos de le projet? Parce qu'on va parler du projet dans un instant. Euh, justement, euh, le projet, je veux dire le défi, oh, j'ai pas besoin de ça non plus euh, le défi du, euh, du semaine, euh, de la semaine qui était de compter une histoire en, en temps de 1 à 3 photos, et je suis justement en train de vous montrer les miens dans mon Lightroom pour l'instant, je les ai pas mis encore sur Facebook, euh, dans le groupe, mais euh, justement ce soir je vais les, je vais les, je vais les mettre pour qu'ils soient prêts, prêts pour demain et justement j'ai décidé de faire un, une histoire euh, d'un photo et en dans d'une série de 3 puis on va parler un peu plus de 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 l'histoire de, 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 de compter une histoire avec des images et trouver d'autres um, d'autres uh, sites web qu'on qu'on pourrait utiliser en, en fonction de ressources. Uh, So today we're going to do a little recap from what what kind of screwed up yesterday in my in my uh in my live uh, streaming. And so I'll show you a little bit we'll go really fast over the uh, the way that I do my my manual focus when it comes to uh, well especially astrophotography um, whether it's and believe me it's whether or not it is um, sorry whether it's not um, we're talking planetary or deep sky um, uh, da, da, da. and then we'll look at um, I'll, I'll recap really quick again the way that i uh, will go through the different uh, versions of the, of the image that I, that I chose to work on uh, for the for the moon. And I will also post those again later on this evening onto the w group under our topic for that uh, for that. Um. The other thing also is that we'll talk a little bit more on on tomorrow's, uh, which was a deadline for the first weekly uh, challenge, which was telling a story uh, with in one to three images. And as a matter of fact, I decided to do uh, two distinct stories. Uh, one which would be uh, uh, told within a single image, and one that would be told within three images, uh, just to give you guys a little bit more of a of an idea of what it is that we're looking for when we're talking about telling stories in multiple photos. Um, I forgot. I'm just gonna reopen my. Uh, no, I don't need that one. I need this one here. There we go. So I see that we have uh, right now on the channel. We have Mark and uh, we have Mark, Mark. Uh, Annick, bon, bonjour Annick. Uh, oui, attendu. Uh, oh. I hope everybody's doing well at home. Uh, J'espère que tout le monde va bien uh, chez vous. Uh, là, ça va faire à peu, à peu près deux semaines et demie que. Uh, ben, pour moi, ça va faire. La semaine prochaine. Bon, C'est à peu près trois semaines maintenant. C est, c est, je suis proche de ma troisième semaine là, de, 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 de confinement. Ben, confinement, je veux dire, euh, que je suis à la maison depuis. Um, S'il so, n'y a pas d'autres. Euh, je pense qu'on on va pour pas. Euh, justement, si je regarde bien. So, I see that there are seven people uh, subscribed to this episode. Um, if you're interested, you can also uh, subscribe to the chat. Um, if you have questions, uh, ask me directly through the chat. And um, you also can. Um, if you're interested i can also subscribe you or invite you to our facebook group which is the uh, group that we're using uh, for discussion between episodes uh, and also uh, to submitting the, um, submitting your, your projects or um, even your, uh, well, your weekly challenges uh, actually you know what i was thinking about that earlier today also is that if you have you know if you have if you need a th you know a second eye or a third eye uh, if you're deciding to uh, make your own little portfolio, well, that's other that's other stuff too that I like to cover later on. Is you know creating uh, photo books, uh, creating uh, you know printing and on, and so on and so forth. Um, but we can have discussions on that too. Uh, pour ceux qui veulent, qui sont intéressés, uh, j'ai vu qu'il y avait who personnes qui sont en train de visualiser, uh, or qui est en train de nous um, uh, suivre. Sur, le, sur la chaîne euh, live. Euh, si jamais vous, vous voulez que vous n'êtes pas euh, justement vous êtes pas, euh, dans le chat, euh, le chat, c'est une façon que vous pouvez envoyer des questions euh, directement live à propos de l'épisode qu'on qu qu est en train de diffuser. Euh, sinon, euh, si ça vous intéresse de demander, puis on peut vous inviter dans le groupe privé euh, de la chaîne. À date, je t'avoue que j'en ai pour une cinquantaine de membres. C'est très impressionnant. Je jamais pensé que ça leur aurait été quand même, même si populaire que ça. Euh, mais c'est aussi là où est-ce qu'on va diffuser les, les photos pour les, que, que vous pouvez soumettre à propos des, 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 des projets, des, des défis, euh, les défis hebdomadaires. Et puis si jamais vous voulez avoir juste des... des des euh, c'est toujours on est, inqui euh, tu sais, inquiétez vous pas c'est toujours des, des critiques des critiques euh, créatifs c'est toujours pour améliorer euh, on n'est pas là pour faire du comme on dit c'est en, tu sais, en bon anglais photo bashing on' pas, on n'est pas là pour ça mais euh, je veux dire que peut-être ça prend une, une deuxième œil un autre euh, visionnaire pour pour, 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 pour interpréter or, or voir quelles est, quelle est leurs interpr interpré interpré interprétation. Uh, you know, sometimes it's just it's just uh, wanting to know what other eyes, you know, what other um, uh, what another audience would would see in the photo that you've produced, and is your story uh, as clear as you think it is, uh, and that's what we're going to be discussing a bit later on too. Uh, after I've shown you this little uh, uh, this little excerpt from well excerpt, it's, it's, I'm going to do it live again, uh, but this time everything should be more uh, more smooth than it was yesterday so you know what i think we're just going to go ahead and start um, if you have any questions please uh, feel free to um, send them over the chat line and i'm going to switch screens here so now if y'all hi guys uh, if you look at this screen here you'll notice that these are the settings that i use in one of the uh, sessions uh, or i should say one of the sequences of um, photos that i had shot uh, was at one three twentieth of a second at f11 at 400 ISO. I could tell you I could have also uh, underexposed it by just another third of a, uh, a, a stop. So I could have gone and gotten a one four hundredth of a second instead. Um, but I mean, you know, one third. I can still get quite a bit of uh, information off of the uh, off of the image digitally. Uh, so, when I'm doing my photo... Okay, ça ici, si vous regardez, j'étais justement pour cette séquence de photos-là. Puis, qu'est-ce que je faisais dans ce temps aussi, c'est que je prenais 30 photos. Euh, parce que je voulais, vous, je voulais vous faire la différence entre pre prendre une seule photo et le, justement le, le, le traiter. Et aussi, j'ai pris une trentaine de photos de la même exposition euh, pour vous montrer qu'est-ce que ça, ça donnerait si on l'aurait fait, qu'est-ce qu'on appelle un « stackage ». Euh, stackage, c'est-à-dire que je prends 30 photos et puis que le logiciel que je la passe dedans, lui, il va aller chercher les détails euh, qui se manquent sur les photos précédentes ou les. C'est lui qui va aller chercher les meilleurs détails de ces séquences de photos-là euh, pour faire un. Ce n'est pas nécessairement un HDR, c'est réellement euh, pour aller chercher plus d'informations. Euh, parce qu'oubliez pas que aussi le problème, c'est notre atmosphère qui est variable. Et justement euh, mardi soir, le problème qu'on a eu, c'est que ici j'avais un peu d'humidité, puis à un moment donné, il y avait un nuage très 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 fin euh, comme, comme nuage, mais on voyait très bien qu'il y avait quand même un nuage qui a passé entre nous et la Lune. So the other thing is also that here what I did was I shot 30 images at these this particular exposure. And the reason for shooting those that many photos is because typically well typically in, in deep sky we usually use this to accumulate light. In this particular um, uh, session uh, for planetary, typically we also use it to correct for uh, atmospheric uh, distortion, which is exactly the fact that Tuesday night we uh, here in Saint Julie we had uh, we had a, a, a very 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 faint um, how do I say uh, well how do I say uh, a faint cloud that passed between us and uh, the uh, the moon and therefore you know you'll get certain images where they'll be slightly sharper than other images even though your focus was was properly done but this is to show you here exactly uh, whoops i need to play it so we're going to play it right away so this is to show you see how in this particular um, now what what, what you, you should, should see here, here is the, the fact that I'm using a uh, mirrorless camera. So, my, a mirrorless camera, what it gives me versus a DSLR is the fact that I'm, no, I'm not looking through when I'm looking through the viewfinder. And in this particular case, I'm looking on the back of the camera because it's just that much easier when I'm talking about night photography. But what this permits me to do is because I'm looking directly through the sensor itself, it's allowing me. In the viewfinder to be able to magnify the image that I'm trying to focus on. So in this particular point, what, I'm, what I've done is I've zoomed in twice, which gives me exactly uh, an image of 11.7 times, and I am manually focusing. If you'll notice here, I start to bring it into focus. Find out where because even at infinity, infinity is not the best. Is not necessarily the best. Um, how can I say? It's not necessarily the best focus for the moon, which is also at infinity. But don't forget the the distance of the moon versus the distance of the stars, there is a slight difference for the lens itself to be able to find its infinity. So typically here, uh, I'm not actually getting, I'm not focused at infinity. On some lenses you'll notice that figure 8 on that's lying down. we call that the infinity symbol. That doesn't necessarily mark exactly where infinity is on your lens. There's always a certain amount of adjustment that you have to um, find to be able to, to, to be able to go and get uh, the perfect focus or the best possible focus with that lens visually. C'est-à-dire que si vous regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? Puis on va faire un petit. Um, je vais on, on va le reculer un peu. So, C'est-à-dire que si je fais, si vous avez vu mon So, rendu ici, je suis en train d'ajuster euh, mon mise au point. Si vous regardez dans le, le, le petit, euh, le glissière en bas, ça donne la distance de mon mise au point en tant que tel. Donc, so, je m'en vais chercher à peu près entre 500, tu vois, infini est encore, là il est à infini, là je l'ai ralenti. Puis infini, c'est pas exactement euh, net. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai dû faire pour la lune, c'est que j'ai dû aller chercher justement un... À la, un, à la 825 mètres, ça m'a donné une meilleure euh, netteté. Euh, le seul problème ici, comme je vous avais dit, c'est que j'aurais dû, euh, en fonction de l'exposition, j'aurais pu aller chercher genre un 4 centième. J'aurais pu peut-être, peut-être, je te dirais là, un 4 centième, un 5 centième, voir qu'est-ce que ça m'aurait donné. Euh, mais dans ce cas ici, j'étais vraiment plus euh, euh, concentré sur le, 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 le mise au point. Dans cette cas-là. Mais avec un, 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 un petite euh, sous-exposition, ça m'aurait donné plus de détails sur la Lune. J'aurais été chercher plus de détails dans le cratère. Et j'ai oublié carrément d'aller chercher c'est quoi le nom de ce cratère-là. Euh, mais je vous l'enverrai vous, vous par, le, 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 par, le, par le groupe euh, par après. Euh, attends, puis ici, on va l'augmenter la vitesse un peu plus. Un peu fait que c'est là où que vous allez voir qu'à un moment donné. Je, je commence. commence. Fait que là, je suis en train de faire la mise au point encore. OK. Le shake que vous voyez là, c'est réellement le fait que on était sur un balcon. Et puis le balcon. Euh, la vibration du balcon, j'aurais dû être à terre. Euh, J'étais trop parasseux pour descendre dans le. le, le mais vous voyez Là, je suis en train de prendre mes 30 photos. À chaque fois que vous voyez que l'écran s'en va noir, bien ça, c'est mon, mon intervalomètre qui, qui est en train d'envoyer le déclenchement pour la photo. OK? Fait que ça, c'est la façon que je fais mes mises au point euh, quand je fais de l'astrophotographie, la, même, même avec les télescopes. Euh, c'est que je vais aller chercher le. le, 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 le. Puis, la façon d'aller chercher ça, pour ceux qui ont le DSLR, c'est que vous devez vous mettre sur Live View, euh, le bouton Live en arrière ou pour les canons ça serait le, le, le bouton qui a le petit icône de euh, me semble c'est le ouais, c'est le c'est le, le petit icône de caméra c'est lui ou ce que ça va lever le miroir et puis sur votre écran à, à, à l'endos c'est là où ce que vous allez voir le, le en travers de votre capteur Uh, Canon, if I'm not mistaken, it'll be um, Canon. It'll have a little icon of a camera, and the whole purpose of doing that is that it's going to raise the mirror, and what you're going to be doing is that on the back of the camera you'll be looking directly through your uh, your display, and uh, at that point, Nikon's and I believe Canon's also have a magnifying glass plus and minus. So what you do at that point is you just press on your plus uh, to zoom into the image that you. To zoom into your subject, if you have to move your focus point, because what you're doing is literally looking through the focus point that the target that you put on the camera that you want to use as your reference for your manual focus, start moving your manual focus until that image becomes uh, sharp and then you're ready to. And you just at that point, just leave the lens as is, leave the focus, and every image after that should stay in focus. Um, because don't forget. The distance of the moon is not, is not moving. It's moving across the sky, yes. So you have to readjust your uh, camera uh, every few minutes um, after that. C'est-à-dire que, après que vous avez fait votre mise au point, um, dans ce temps-là, vous êtes prête euh, et vous laissez le mise au point tel quel, puis vous continuez à faire votre euh, séance de photos sur la Lune. Euh, ou l'objet temps-là que vous avez ajusté votre mise au point euh, en fonction. so that's how i do my manual focus. and now what we'll do is i'll quickly just show you uh, the difference that i did. let me find them. hold on just a sec. so this is my lightroom. these are not all the images i shot last night. it seems that for some reason um, it didn't update all of my. but it, i'm going to use these ones here as my. Reference. Give me a second. Where did my? It's funny because I lost my copies that I made yesterday. So this is F sixteen. These all at one eight hundred at F sixteen. Yeah, they are. And you notice, you'll notice that between a certain amount of the images. So if I take this image right here, so like ici vous allez voir ça c'est mon Lightroom. Et puis si on la regarde plus proche, excusez, plus proche ça veut dire comme ça. C'est là où ce que j'ai ah, est en train de faire son, son euh... justement vous voyez comment là il a été cherché euh, la lune euh, Il me semble que je n'avais pas de netteté non euh, mais ça 1000 euh, 1600 on voit un peu plus de bruit, c'est sûr. Pas de la granulation, pas du granulation en tant que tel. Um, I just noticed John, you hi John, welcome to the channel. Welcome to the channel. Um, so here you'll notice that I have the um, the uh, one uh, one particular image at F16. I'm going to make my virtual copy. So, this is my virtual copy. Je travaille toujours, quand je travaille en Lightroom, je travaille toujours euh, typiquement en, euh, en des, des copies virtuelles. Ça, de, ce sont des copies de l'image dans, dans le catalogue en tant que tel. Dans mon cas à moi, c'est dans mon DNG. Ce n'est pas que je suis en train de faire des copies physiquement de le fichier, juste des aperçus que je peux travailler avec. Et puis d'être là, je peux, faire, je, peux, je peux arrêter à n'importe quand ou commencer d'un autre. reset on Uh here I, would, I created my second copy i said my second my first copy so typically here we're going to go into the development virtual copies don't take any space on your hard drive as per se uh, what they do it just allows me to work at different levels uh, an image to be able to get different um, different um, well, recipes are different, different. Uh, so here, the first thing that I normally do is I try to see what Lightroom is going to give me. Lightroom here is going to do an analysis of my curb, and wow, it it completely overexposed the moon. So typically here, what I'm going to do, I mean, it gave it's giving me plus four. Uh, I'm going to actually bring this way way down. We're going to bring this down to about my uh, plus two point five, just to see what I get. Actually, going to go even less than that. So I want to still be able to have my, my crater here. I want all of this information. So ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pesé sur automatique. Et puis, euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais euh, monter. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter de la contraste. Fait Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais descendre mon noir parce que je veux quand même que je perds ce... J'ai vu que sur certaines des photos qui ont passé... Euh, sur le groupe qui avait beaucoup de. comme un genre de halo alentour de la Lune. Euh, dans ce temps-là, ici, moi, qu'est-ce que je vais faire plutôt C'est que je vais l'enlever en descendant, euh, en, en diminuant, excusez pas descendant, mais diminuant mes noirs et mes ombrages pour que ça sort un peu plus comme que. Regarde, vous voyez, justement, je viens d'augmenter mon contraste. Si on le regarde, de loin, j'ai plus d'halo à l'entour de la lune en tant que telle. Quand même qu'à cette heure-là, j'avais quand même... Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Euh, effectivement, c'est que je suis en train d'enlever euh, l'humidité dans l'air. So what I've actually done here is, the fact that I've, I, I boosted my exposure, because my exposure now is at plus 2, I've also brought my contrast way up, because what I've done is, I've removed that humidity from the air. Um, what I will also do typically here is we're going to bring this back up. I'm going to add a little bit more texture. I usually go about plus 10 on texture. Fait la texture, je l'augmente d'à peu près plus 10. La clarté, je donner un peu plus de clarté, pas beaucoup. Peut-être un plus 15. OK. Et puis, un, oh, tiens, on va aller avec un plus 20, voir qu'est-ce que ça va faire comme. Uh, so, ça c'est. Um, L'autre chose aussi que je on peux faire, on, si j'avais plus d'humidité dans l'air, j'aurais pu l'utiliser aussi le dehazing. hazing um, or, Attends, c'est quoi en français? C'est le dévoile. Ouais, dévoile. Non. Um, en tout cas, ça a rapport avec la voile. Euh, pas la voile lactée, mais la. <laughs> la voile lactée. Mais um, je, je te reviendrai là-dessus pour le, pour le, le la terme en français. Uh, déjà. Uh, Lightroom a accentué beaucoup plus la couleur, mais nous on va euh, en fonction du vibrance. N'oubliez pas que la différence entre vibrance et saturation, c'est que saturation va saturer tous les couleurs, tandis que vibrance sature seulement les couleurs qui, se, qui ne sont pas déjà saturées. So what vibrance? The difference between vibrance and saturation is that typically um, vibrance only saturates the pixels that are not already saturated and saturation saturates pixels straight through the color spectrum okay so typically what i end up doing here is i always bring this okay and i bring my vibrance down also to about half of what it was okay just because it can help a lot of the times it can help correct for the, ab the chromatic aberration now the next thing that i do here is um, i'm gonna go to uh, where is it lens correction i'm gonna check first to see whether my uh, profile is okay so the profile for the lens so it's flattened because if you check if i remove the lens profile what happens you notice how you see how it happens there's a certain amount of correction it flattens the image a little bit more okay and it's always it, 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 you'll get you'll get more a distortion when it comes to wide angle lenses. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours appliquer le profil de l'objectif pour être capable de l'aplatir l'image la la euh, en tant que telle. Mais c'est beaucoup plus important pour les grands focales, euh, pas les grands focales, mais les petits focales, c'est-à-dire les grands angles. C'est ça que je voulais dire. L'autre chose que je peux faire aussi, c'est que euh, chaque objectif va toujours avoir un certain euh, aberration chromatique. Fait que je peux appliquer la correction d'abarration chromatique puis je ne sais pas si vous, moi je le vois sur mon écran mais un peu sur le bord ici c'est là où ce qu'on voit vraiment le, 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 le puis si si je l'augmente encore de, de euh, voyons un plus grand euh, tu sais si on va chercher deux pour un. et puis je vous montre regarde ici là vous voyez les petits pixels ici je pourrais peut-être même y aller chercher un meilleur tu sais si je prends mon pipette je m'en vais chercher puis qu'est-ce que ça fait que Ça vire juste ces parties-là, euh, justement, euh, plus plus évident ou moins évident. Fait que si je vert, vous voyez que j'ai enlevé le vert qui est là, mais j'ai encore un peu de, un peu de rose. Euh, fait que dans ce temps-là, des fois, c'est beaucoup plus facile de euh, corriger ça avec ta saturation et ton euh, ton ta vibrance. What I've done here is I've used a manual uh, Uh, in the lens correction, I've used the manual correction to uh, see if I can't get a better uh, or a, a better removal of the uh, the chromatic aberration here. So that's that's the other that's the other thing that I do there. Now the next thing that I do here is I use my detail, and with my detail, uh, we're not going to use it at 200 percent, um, but we're going to go and get our one hundred percent. So we're going to look at through uh, one for one. Uh, So that pour la netteté, c'est que j'ai remis, remis mon, mon image euh, en euh, loop de 1 pour 1, c'est-à-dire à 100%. Euh, je vais utiliser, je commence toujours ma, ma netteté avec la, la, la quantité. Puis le bouton Alt. Quand je pèse sur le bouton Alt sur mon clavier. et je pèse sur le bouton de gauchement souris sur le glissard ça vire tout en noir et blanc so now i'm gonna just to recap yesterday the sharpening that i usually apply is i always use on the keyboard the alt key while i press on the uh, slider with my right button of my mouse and at this point you'll notice that you see all that it's not that it's detail those are what we call artifacts and those artifacts are a product of your sensor So, to so qu'est-ce que ça fait? C'est que ta netteté, si vous avez trop de netteté, ça va créer réellement des, des artefacts, Alors, ça va sortir plus des artefacts qui sont les défauts dans le capteur en tant que tel. So, je m'en vais chercher une certaine euh, quantité de, de, de netteté. Après ça, je vais aller chercher le euh, la rayon. c'est ça. Puis, si vous voyez que ça augmente trop, bien, c'est sûr et certain, les artifacts deviennent très, très, très évidents. Ok. Alors là, le point où je aller chercher. Ça va pas monter. Ta rayon en tant que tel ne va pas aller chercher plus que 3. Okay. Your, your, your uh, radius here is how much it affects the pixels around what I'm sharpening. So, if we. So, normally it applies. Uh, a radius of one. Uh, in this particular case, I usually go get about a 1.5. Okay, a 1.4, 1.5. Bring it up. To one point, oops. Bring it up to 1.4. So 1.4 here. Next thing I do is I go and check out my detail. And in this in particular case here, here, your detail is how much of the pixels that I'm sharpening. Uh, do I want that detail to be evident? So if you look here, uh, and this works on a percentile, so it usually applies in raw, it usually applies 25%. Ici, si c'est le, le, le point que je vais aller le dive. Attention, c'est ça qui va créer les. Vous voyez les petites textures qui sont dans l'écran là? Je ne sais pas si vous le voyez sur le. Um, si le, vous le voyez tout sur le. C'est-à-dire. Chercher genre 40-40 de détails. Et surtout après, on voit très bien qu'on voit la netteté qui a été appliquée sur l'image au complet. Moi, qu'est-ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais appliquer un masque et je vais utiliser qu'est-ce qui quand il est blanc, ça veut dire que ta netteté est elle est appliquée à 100% sur l'image au complet. So, what I do now is I start masking out the areas that I don't want that Effect of the image, and typically, I don't need it to be all I need the sharpness to be on the craters, the mountains. I don't need any sharpness to be inside these areas here, which are the oceans of the moon. I need it to be more on where I see wherever I see a detail, like a crater, a mountain. Okay, that's where I want to have more of my, um, more of my, uh. Well, uh, sharpness or my details that are sharpened. Now here we have la réduction de bruit. Puis la réduction de bruit. This is noise reduction, and noise reduction it affects two things. It affects. It affects both. Uh, are you guys lagging back there? Is that what it's? I see. I've missed a few there. Okay. Hold on let me just check something here give me a minute I just want to oh, my, Well, my connection here says that it's working out I've got a good connection here alrighty well I'm almost finished with this let me just finish this up and then we'll be able to uh, continue with the okay, so it's still lagging. Well, maybe it is Lightroom, then also that's also causing the trouble. Uh, with let's live with it for now and see how it goes, and then we can. It's still, I'm still new at this, so give me, give me a <laughs> okay. Um, I'm gonna look there, we're good there. I see you're catching up a bit. Okay. Uh, where is this? I'm going to have my screen up again. Bear with me a moment. This is what I want. Uh, let me just kill a couple of things here in the background. Uh, okay. Thanks, Mark, for the heads up. Both marks. Um, so quickly to finish up here, because I noticed that we've passed quite a bit of time here. I'm just going to add a little bit more of my uh, noise reduction so that we can bring out some of that uh, pixelation. Uh, yes, I was about to say grain. Completely Against what I normally. So we're going to bring down the detail. Bring. I'm going to see if I can't remove a little bit more color. Oh, uh, no, wait a minute. Which way am I going here? So, je vais enlever un peu de, qu ce qui est dans les pixels colorés. Je vais enlever un peu de détails là-dedans aussi. plus list so what I've done here is I've removed some of the color just enough to say that I've lost my uh, actually this uh, I'm gonna just lower this for a sec where is it uh, give me this give me that how bad is it here? We're back to 30 frames per second. Okay. Mind you, drop frames are only 1.4%. Okay. So uh, when we look at the image as is and we bring it back to our. So if I go back to this, give me a second so that it switches over. Now, what we get now here is. This is the copy. And this is the original. So, if we were to take both side by side, uh, I'm going to do it this way, it'll be easier. So, see si on regarde les deux photos, coat à coat, uh, moi je veux, attends, c'est lui que je veux? J'oublie toujours en fonction de la comparaison. Yep. Yeah. Voilà. So ici, quand je zoome sur la lune qui est ici. Donnez une seconde pour qu'il rattrape. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est. Okay. Dans une seconde. Faut Il faut qu'il load les deux. Puis on voit un peu plus de détails dans la lune ici. Malgré, Puis vu qu'il est un peu sous-exposé de plus, on voit un peu plus de détails où -ce que on aurait manqué parce que j'étais surexposé un peu, un, peu, un peu trop. Ok. Uh, C'est-à-dire que. Uh, sorry. Uh, so if you look here now, this is, this is, the, this is my moon. Uh, this is my treatment. This is the slightly overexposed moon. Uh, and this is normally also why I prefer always underexposing in the camera by at least a third or two thirds of a stop, just so that I can play with a little bit more uh, detail, a little bit more information. C'est-à-dire que c'est aussi uh, pourquoi que souvent, je vais sous-exposer d'un tiers d'écran ou un deux tiers d'écran, de dépendant qu'est-ce que je suis en train euh, tirer, parce que je veux avoir un peu plus de détails que je peux jouer avec quand que je suis en... Um, euh, en post-traitement comme celui-ci. Okay. Euh, je t'avoue qu'il est un peu brune, mais je t'avoue qu'à cette heure-là que j'ai pris la photo, c'était plus vers la fin de la soirée pour moi. Et puis, c'est justement le, 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 le moment où j'ai eu le problème d'avoir... Tu vous voyez, il est à 10h51. Euh, et puis, c'est là où -ce j'ai eu justement le problème de... Euh, le, le nuage qui avait passé entre, entre nous et euh, la lune. Euh, fait, ça, c'est pour la soirée de la lune qu'on a pris euh, mardi soir. Euh, je veux tous vous féliciter à les belles images qu'on a vues, euh, que vous avez envoyées sur le, le, le groupe Facebook. Euh, C'était vraiment impressionnant. Puis, puis la, le, je veux dire, le, pas l'attention, mais je veux dire, le, euh, voyons, la participa participation, ça m'a vraiment. Euh, ouais, euh, j'ai vraiment euh, apprécié la participation de tout le monde pour ça. Now, pour demain. Just uh, justement, j'ai trouvé une façon de uh, parce que vu que le la plupart de les sites web uh, avez-vous des questions sur la lune? I never got into Lightroom. I use Photoshop and I have used Luminar. Uh, when I posted my two images, the darker one was done in Luminar. John, I've actually I haven't I haven't had a chance really to work with Luminar yet. Uh, although I've been told that it's a very good software for um, For uh, no, that's not what I wanted to do. This is what I wanted to do uh, That it's a very if it's it's a fantastic software also for image editing um, I also use uh, capture one as a comparison to Lightroom I'll be honest with you the only, the reason that I'm with Lightroom is because Lightroom was one of the first ones uh, from Adobe that was basically a digital darkroom and I've worked with it ever since the other um the other uh softwares that i that i have loaded um i'm in the process of investigating dark table uh which is a free version or i should say it's an open source uh, software for image processing and so far it's 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 not i mean it's listen you know it's not lightroom but it works very closely in um the same way that lightroom itself works uh Sorry about that. I think my microphone actually <laughs> recorded the uh, gulping of the the, the my uh, hydration here. Um, also, uh, I'm also in the process of looking at Capture One uh, as another alternative. Uh, Photoshop. I use it mainly when I'm doing any type of montage. Uh, Photoshop for me because of the uh, the uh, use of um, layers. So uh, John see utilise un logiciel qui s'appelle Luminar. Euh, L'autre aussi qui utilise euh, c'est Photoshop. Euh, je t'avoue que moi, je suis plus euh, Lightroom Photoshop parce que c'était le mainstream euh, depuis Adobe depuis une, une quinzaine d'années. Euh, mais euh, Luminar, c'est un, un autre euh, logiciel qui fonctionne un peu comme Photoshop en tant que tel. Euh, L'autre que je suis en train de, 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 de pratiquer un peu, un peu avec, c'est que j'ai trouvé en travers les clubs photos ici alentour de Montréal, il y a certaines personnes qui ont essayé, qui ont, qui ont commencé à utiliser un logiciel qui s'appelle Darktable Et puis Darktable Table, c'est un, 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 un logiciel open source, c'est-à-dire un logiciel gratuit euh, qui est le plus près de Lightroom possible à date que j'ai vu. Uh, il y a un catalogue, uh, il utilise les, 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 le même cam, ben, le camera, uh, comment est-ce qu'il appelle ça, le camera, voyons, uh, well, the Lightroom, what's that? Camera Raw, uh, so t'as as, l'exposition, t'as les hautes lumières, les, les, les ombrages, les blancs, les noirs, ça, ça fonctionne exactement comme Lightroom, ben, exactement uh, pour un logiciel gratuit. Un autre que, que j'utilise de temps en temps, c'est Capture One. Uh, le, aussi, le, le, c'est sûr et certain, vu que euh, je donne des, des, des cours euh, chez Gosselin sur le Photoshop Element. Photoshop Element, c'est plutôt un, un, un logiciel euh, que je dirais qui est plus euh, pour, les, pas, ben pour les novices, pas nécessairement juste les novices, mais les novices intermédiaires qui ne sont pas nécessairement euh, pognés sur des gros logiciels compliqués à utiliser. Qu'est-ce qu qu'ils ont fait? C'est que pour, 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 pour donner un peu de, 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 de fonctionnalités de Photoshop et Lightroom dans un logiciel pour le monsieur madame tout le monde, ils ont créé, Adobe a créé le Photoshop Element, où ce que Photoshop Element, c'est de base, c est, c est des, des fonctionnalités de base de Lightroom et de Photoshop dans un seul logiciel. Euh, c'est beaucoup plus guidé, il y a beaucoup plus d'automatisme dans ce cette, dans cette logiciel-là, c'est-à-dire que... Euh, The other software that I also give classes on uh, at my uh, at my work is called Photoshop Elements, which is basically an intermediate uh, I would say a novice to intermediate uh, software that incorporates um, some of the functionality of Lightroom's catalog and the basic functionality of uh, Photoshop uh, as far as uh, you know layers go, retouching goes. Um, and it also, you can also, just uh, a you can also uh, work on your images uh, uh, the same way you would with Camera Raw. Um, so that's that. Um, now, if you want, uh, we will go on to looking at um, uh, our project for tomorrow. And the project for tomorrow, as you all well know, I'm just going to. Open up my Facebook here, real quick. I'm going to switch you guys over to the screen so that you now see the screen. And I just want to recap. So, when we go into the uh, group, which should be coming up any second now, and here we have the group. Alrighty, so if you look here, um, our group has a bunch of categories here. Okay, now there's two ways that you can submit your images. You can submit them through. I, I enjoy using the uh, topics themselves. So tomorrow, we the topic is telling a story. Uh, so demain, uh, le le qu'est-ce qu'on va couvrir plutôt? C'est de regarder. Euh, les photos qui sont dans justement, c'est euh, puis regardez, on a déjà certaines soumissions qui ont été envoyées. Enfin, puis il y en a déjà quelques-uns qui ont déjà euh, soit liké ou euh... mais typiquement on va, on va les regarder en fonction de est-ce que les photos en tant que telles auraient pu être euh, améliorées, ok? Uh, en function de cadrage, est-ce que ça compte l'histoire? On, on, on va se demander certaines questions. So tomorrow, basically, we're going to be looking at is uh, the images that are within our, our, our topic of telling a story. Also, I'm going to post, oh, sorry. I'm also going to post a, I think I can do it through questionnaire, but I'm going to poll for certain subjects starting Saturday. Uh, so starting tonight so that we can decide for Saturday what we're going to do for next week. As far as, a, uh, as far as a challenge. So, ce soir, qu'est-ce que je vais faire C'est que je sais qu'une façon d'envoyer un, euh, un questionnaire un questionnaire un ah, questionnaire. Voyons. Um, ok okay. Uh, La question quelle quelle quel, quel, euh, quelle sorte de défi qu'on voudrait avoir pour la semaine prochaine. Je t'avoue que euh, si on regarde, ce matin j'avais quand même lancé un euh, un euh, message ce matin. C'était... Attends, où est-ce qu'il est? -ce qu Il est? faut que je le trouve. Pourquoi je ne le vois pas? Celui-ci, exactement. C'est justement... Euh, ça pourrait être un défi. Euh, si vous voulez... En passant, si je, pour les, les liens que je vous envoie, comme ça, ici, en anglais, là, euh, vous pouvez les, 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 automatiquement les avoir, les avoir traduits euh, en prenant juste... Si vous prenez le lien comme ceci et que vous allez dans euh, Google Translate. Ah, oh, ça, ça en est un que j'ai déjà fait. Attends. On va ouvrir un nouveau fenêtre ici de Google Translate que je l'ai ici. Vous insérez le lien comme ceci. Et vous cliquez sur cette petite icône ici qui va lancer le site web justement en français. Donc, okay. so, je suis désolé que I mean, c'est là où -ce que je, je m'en vais chercher la plupart de mes ressources pour mes conférences, pour mes propres euh, épisodes, mes propres, euh, episodes, ben, episodes, mais, mes propres euh, vidéos ou quelque chose soit, qui s'en viennent, euh, pour me donner des idées euh, de quoi parler et comment you know, comment la monter en tant que tel. Mais vous pouvez toujours... Les utiliser, les, les, les sites que je vous envoie en anglais, vous pouvez toujours les envoyer en travers de Google, puis là, le, euh, euh, le traducteur de, de Google, puis lui va traduire le, 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 le texte au complet euh, dans l'article, pour ceux qui ne savaient pas euh, comment le faire. Mais je t'avoue que euh, ça pourrait être, puis c'est un des sujets qu'on pourrait, euh, que je vais ajouter au. Euh, euh, à le, le questionnaire euh, cette, ce soir euh, pour qu'on commence la nouvelle défi euh, samedi. Et puis celui-là, c'est réellement sur la nature morte. La photographie de nature morte, c'est un sujet puis qui était très intéressant parce que quand même que euh, vous pouvez euh, aller chercher des photos qui sont euh, genre euh, réelles en tant que telles. C'est que vous pouvez faire votre propre montage avec votre propre éclairage. Euh, et puis euh, justement, euh, je pourrais faire un, un, une, une des, des diffusions que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire un, un petit montage euh, en haut chez nous en fonction de euh, comment, je, comment je peux monter un, un, un photo comme ça ici, réellement euh, en prise de vue. Euh, ça, ça c'est pour plus tard. for those who to Google Translate en, 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 en a I'm uh, uh, so uh, basically I'm j i am was just saying sorry that uh, what I'll do later on tonight is I'll I'll I'll, I'll, I'll post a polling um, so that people can start thinking about uh, next week's um, challenge. This is one that I had that I had found uh this morning, one of the um, uh, I think it's called Do You Like Photography? It comes from Digital Photography School. And this is one of the articles that was there, which is interesting as far as still life and an idea of um, uh, a challenge for next week. Um, now, uh, so typically over here, what, we, what, we will, what you'll want to do is you can also use, we, I also created a, a, a system of albums, which will be in media. Um but typically you, what you want to do is you want to go into your topic. In your topic here, you want to post your photos and video. And what this allows you to do is, I think I have a couple, hold on, let me see if I have a couple here. Uh, where am I? I'm in my Facebook resources. no, that's not what I want. Let me go back where I have a couple of photos that we could play with. So if I go into my pictures So she's red down me my, puis je m'en vais dans uh, genre Ah uh, oh, tiens, I'll go chercher mobile pictures. Oh, sorry, I'm already there. Uh, I got a brain fart there. Désolé, c'est uh, si en fait, je m'en vais chercher genre uh, je vais aller chercher uh, tiens, garde Paysage. <laughs> J'en ai pas dans paysage, really. Euh, attends, je vais aller chercher genre. Euh... Ah tiens, on va aller chercher exhibition. Ça, c'est une exposition que j'ai fait euh, à l'ouverture du euh, magasin brossard euh, 10-30. Mais disons que je vais aller chercher genre 1, 2 et 3. Je le rouvre. Il est déjà dans la catégorie, euh, je veux dire, le, le sujet euh, de photographie avec AJ. Okay. Puis qu'est-ce que ça, ça nous permet de faire? C'est qu'on garde toutes ensemble tous les, euh, tous les images. Et puis par après, qu'est-ce qu'on peut faire ici, c'est que euh, je peux. Euh, c'est ça. Je peux modifier chacun des photos. Ben, chacun des photos en fonction de. Euh, c'est pas que je vais veux, je veux, je veux, je veux, je veux, aller chercher, je peux mettre des, des, des titres, je peux mettre les. Euh, si je voulais, euh, que, vous, que ce serait peut-être quand même une bonne idée aussi, c'est ça serait d'inclure in, les euh, l'exposition, les, 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 l'objectif le, que vous avez utilisé, l'exposition, peut-être l'appareil photo, juste pour donner une meilleure idée, comment est-ce que vous l'avez pris la photo, pour, être, pour que quand on la regarde créativement, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Peut-être aller chercher une meilleure vitesse. Peut-être aller chercher une meilleure ouverture. Une ouverture qui, qui, qui donnerait peut-être une un, un meilleure profondeur de champ. Moins de profondeur de champ, plus de profondeur de champ, dépendant. Euh, mais c'est-à-dire que, vous voyez, comment est-ce que euh, ça ici... Bien, chacun, de, 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 chacun des photos compte une histoire en tant que telle, mais je pourrais utiliser ces trois photos aussi en fonction de euh, comment je pourrais... Euh, je veux dire, je pourrais, ça pourrait être une histoire, euh, l'histoire ici pour si je garde les trois histoires, les trois, euh, euh, voyons, les trois photos ici, on pourrait appeler ça euh, des, euh, des ébénistes, ou des, des, des euh, artisans, you know, dépendant de qu ce qu'on veut reproduire. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment ce que vous pouvez... Euh, utiliser le. Sinon, vous avez aussi euh, je vais annuler ça. C'est que vous pouvez aller dans les médias. En même temps, je crée des albums individuels que vous pouvez utiliser en fonction de... Euh, ça dépend comment. Moi, je pense que juste avoir les... Parce que mais que vous gardez en voyant dis, en, voyons, en euh, discussion. Les messages, on peut y aller chercher réellement les commentaires de tout le monde euh, en fonction de euh, la photo en tant que telle. Um, so, je vais lancer deux autres euh, pages web que vous pouvez euh, utiliser euh, en fonction de, de, de pour améliorer euh, ton raconte de l'histoire, la meilleure histoire. So I'll, I'll send out two or three other um, Well, other um, websites or web pages, articles that discuss more in depth of telling a story, uh, and uh, you can use that to finalize for tomorrow, and it'll give us a better idea too of how we can how we can um, critique the photos that we that we've uh, presented. Um, also, what was I going to say it was just. Uh, da, 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 da and I'm going to on Saturday uh, Saturday's episode uh, I'll probably change a little bit the format uh, that I'm doing these live uh, live episodes and that I might just you know space them out a little bit more to give me more time myself to prepare give me also uh, because you know for every time that I do this I'm usually spending about six to almost you know, a good you know I would not, not necessarily eight hours but a good four to six hours um, per episode so what i might do is i might just space it out a little bit more so that i have a little bit more time that i can also uh, um, just you know put out better material put out better better uh, better stuff i got uh, tu veux les photos du défi dans l'album ou dans l'album ya yeah, y a, you know, tu euh, t'as raison, euh, l'album des filles hebdomadaires, l'avais trouvé après que je l'ai crié, je l'avais trouvé trop euh, général, général. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, créé un deuxième album qui s'appelle de rencontrer, euh, euh, rac, voyons, raconter, raconter euh, une histoire. Euh, mais si vous, même si vous, c'est juste pour que la différence entre les sujets versus les albums, c'est que les albums gèrent les photos en tant que telles, tandis que pour le, 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 le les discussions, euh, les sujets sont plus euh, guéris vers, euh, vers, euh, vers les discussions pour garder tous les commentaires, tous les, tous, tous les, 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 euh, les parties messages ensemble, tandis que euh, Puis quand vous envoyez les photos au, euh, euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans un topic ou dans un sujet en tant que tel, ça garde toutes les photos dans un, dans un, dans un gros batch. Euh, Puis n'y a pas de de, 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 de so, pour la, pour, si vous pouvez, je dirais d'utiliser de, les deux. Euh, je t'avoue que euh, c'est encore un peu ambigu. Euh, comment est-ce que les deux C'est un peu ambigu en Facebook en tant que tel, comment est-ce que les deux se réunissent ensemble. Euh, si vous pouvez aller chercher les deux, va chercher les deux. Euh, au pire aller, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que vous le mettez, vous les soumettez dans l'album. Euh, quand vous allez faire votre, euh, votre message, après que vous avez fait le, 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 le message en tant que tel, le post, vous pouvez retourner dans votre post, faire une euh, modification. Euh, C'est-à-dire que ça serait peut-être plus facile que je te le montre ici. Euh, quand vous êtes dans votre euh, mon curseur, so, ici là quand je vais faire genre tiens you know what je vais faire vite fait euh, je vais créer un nouveau donne-moi une seconde j'attends que mon et voilà je vais créer un nouveau so, disons que Aj test parce que je vais le, je vais le supprimer par après. So, je vais aller chercher... Ça, so c'est AJ test. Parfait. Euh, ici, je vais faire... excusez, ça va me donner le même... Le, le bon... Tiens, on va retourner dans le groupe. Je vais aller chercher... excusez, uh, tiens, c'est parfait. ça. Là, j'ai créé un, un nouveau euh, top, euh, sujet. So, je vais soumettre un nouveau post. Ah, non, excusez. Non, je vais soumettre. Je vais aller dans Médias. Je vais créer un nouveau post de là. Fait que je vais ajouter euh, photo vidéo là. Je vais aller chercher justement mes trois que j'ai pris tantôt. Comme le test. Open. OK. So, là, on share à notre groupe. Ça, c'est parfait. Euh. Je vais faire Edit All. Euh, je vais juste voir qu'est-ce qu'il va me demander ici. Tag photo. Non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça que je veux. Excusez. Euh, qu'est-ce que je viens de faire? Well... Euh, C'est pas ça non plus. Donne-moi une seconde pour que je me trouve. J'ai fait ça, euh, j'ai pas, pas fait ça de, bonne, attends, de la bonne façon. Faut que j'aille dans l'album first. So, disons que, ok, je vais créer un autre album ici. Non, actually, on va aller dans l'album ici. Okay. Je vais ajouter dans cet album-là. Ajouter des photos. Je vais télécharger les trois photos que je voulais télécharger. Un, deux et trois. Open. OK. Dans ce temps-là ici, je peux aussi... So, ici, on va dire, ça c'est ébéniste euh, ébéniste slash wood worker ébéniste numéro 2 wood worker number 2 Forger... For, forgeré, non, euh, forgeré. Bon tiens, on va forge silver worker. Ok, je vais laisser ça comme c'était... tel. Désolé pour mon euh, mauvais. Euh. So, ici justement, si je vais sur les trois petits points ici, c'est là où ce que je peux. Euh, where is it? Topic, add a topic. Fait que là ici, je m'en vais chercher AJ test. On va chercher la prochaine photo. On va chercher lui en fonction de le sujet. On va. Je clique. J'ai juste besoin de cliquer là-dessus. Il va me donner tous les, les, les sujets que j'ai déjà. Um. So, dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand je fais ça, à le post. OK, here, test. So, now... Quand je sors de là et que je m'avais réellement dans mon, tiens, on va aller home, on va aller chercher mon notre groupe. Vous allez voir ici qu'il il y a une nouvelle exactement un nouveau euh, post de moi qui, que j'ai ajouté justement dans l'album en tant que tel. OK. Et que quand on s'en va chercher chacun des photos, on va voir que... Non, il pas le tag. C'est dans quoi? C'est dans. Ah, attends, excusez. On va pouvoir soit y aller dans l'album, les visionner, ou. Excusez, c'est pas ça que je veux non plus. Ah, c'est pas ça ce que je voulais faire. Ça va être plus facile que je fasse ça comme ça. So, si on regarde ici et puis je m'avais dans justement AJ test, il y a trois. Il y a trois images qui ont été envoyées sur le tu vois. Fait que là maintenant en fonction de AJ, AJ test, c'est là où ce que Oh, sorry. J parce que c'est mon Facebook. Il faudrait que je trouve la façon de mettre ça muet. Et voilà. Fait que là, maintenant, on peut maintenant y aller chercher chacun de des euh, topics. Si on regarde ici, on voit déjà qu'il y en a certains qui ont déjà utilisé les. les... Euh, Les, 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 les euh, sujets de la discussion, les discussions qu'on peut aller qu'on peut, qu'on va utiliser durant le temps qu'on est ensemble. donc avec tout ça, je vous souhaite un très bon après-midi. Forgeron, merci Yannick. <laughs> C'est ça que je cherchais. Euh, je vous souhaite tous une belle soirée. J'espère que, euh, quand même, qu'on a eu encore un petit peu de, de, de problématique avec le. Euh, so Lightroom ça a l'air que ça prend quand même un certain euh, quantité de ressources euh, pendant que je fais mon, euh, mon euh. peut-être c'est aussi souvent euh, le, la raison pourquoi que les, les gens qui vont faire du, du euh, vidéo comme ça ici, ils vont plutôt l'utiliser, euh, ils vont plutôt montrer euh, ces étapes-là euh, en post-traitement, en vidéo euh, pré-enregistrée euh, okay. euh, N'oubliez pas, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer des questions par Messenger euh, de Facebook. Vous pouvez toujours m'envoyer euh, des questions ou des. des, 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 des Oubliez pas des sujets aussi pour des défis euh, sur le, sur le, 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 dans le groupe fait, euh, Facebook que j'ai créé pour nous autres. Et puis, euh, c'est ça. Euh, par courriel aussi, aj.commercial-andrew-james.ca. Je t'avoue que je, je vais t'avouer que je suis plus sur Facebook que je suis sur Instagram. Euh, et puis, euh, YouTube aussi, vous pouvez m'envoyer euh, des messages en travers YouTube. J'espère que vous avez bien aimé ça. Euh, merci encore pour votre participation, pour votre support. C'est très apprécié. Euh, et puis, on se revoit demain à même heure, 4h30. Euh, pour la discussion de notre défi de cette euh, semaine ici. Euh, et puis, euh, on va pouvoir aussi euh, voir un peu de. Euh, D'ici ce soir, je t'enverrai le, le, le questionnaire pour le, le, les différents sujets qu'on pourrait parler, euh, pour, qu'on qu pourrait utiliser en fonction de défi. N'oubliez pas, si vous avez un sujet que vous, voulez que je, que vous voudrez que je parle le, dessus, Uh, en fonction de un épisode. Uh, so what I, sorry, what I basically just said is that uh, as you saw the way i showed you here on the facebook uh, group, you can use the um, topics, you can use the albums, preferably it'd be better to use both because the albums um, manage the photos while the uh, topics Manage the manages more the discussion uh, of the images. Uh, in the meantime, if you have questions, you can always reach me on Facebook. Even you know, um, um, and I will come up with some kind of a regular scheduled thing for next week. It won't. It will most likely not be every day. It will probably be every other day uh, to give me time. Give me time with. I mean, obviously, also to to give me more time with the family, but also to give me more time to prepare. Um, discussions to, to prepare episodes. Uh, don't forget this is all live so uh, it's not pre-recorded and I'm also in the process of trying to see what I can do with my YouTube channel and my uh, I'm still I'm still interested in, in in getting my podcast out there too and my YouTube channel with pre-recorded uh, episodes for that too. So I thank you all for your support. I thank you all for your uh, your time. I know everybody's time is precious. I wish you all very uh, wonderful Thursday night. Je vous souhaite tous une belle soirée euh, ce jeudi ici. Et puis on se parlera demain. Merci et bonne soirée à tous.